Our country is said to be the embodiment of Africa. Souvent produite les samedis, mais on s'est donc donné comme leitmotiv à B News de ressusciter ce programme et surtout de le produire en mode nocturne avec l'actualité sportive qui est très très dynamique ces derniers temps. On fera notamment une balade dans toutes ces actualités, amis téléspectateurs et internautes qui êtes nombreux à nous suivre. On parlera ce soir du complexe sportif d'Olimbé avec toutes les inquiétudes qui planent sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture et du match d'ouverture le 9 janvier dans cette infrastructure. On reviendra sur les dernières nouvelles, les dernières images les plus fraîches de ce complexe. On parlera aussi dans cette édition des Lions Indomptables avec leur campagne qualificative pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Un arrêt sera fait sur la dernière rencontre Cameroun-Côte d'Ivoire, mais aussi sur les potentiels adversaires des Lions Indomptables, notamment pour les barrages qualificatifs à cette compétition internationale. On terminera notre périple, amis téléspectateurs, toujours en football, mais là on s'intéressera au bureau avec l'élection à la Fédération camerounaise de football. Une place pour 8 candidats de Game of Thrones, comme certains l'appellent. On reviendra sur ces 8 candidatures, mais on parlera surtout de ces enjeux, ces manipulations et notamment cette lutte d'influence. Amis téléspectateurs et internautes, installez-vous confortablement. Le développement de toutes ces actualités, le débat et le panel, ce sera juste après ceci. Mesdames et messieurs, on va donc lever le voile sur le panel qui nous accompagne ce soir pour le compte de cette édition de B News Football Club. Et oui, ils sont 4. À ma gauche, je commence. Ce sont les nouveaux venus. Et à ma droite, ce sont déjà des habitués de plateau de B News One. À ma gauche, je commence par monsieur Sylvain Aïssi. Il faut dire que c'est un éducateur sportif, entraîneur de football qui, on va le dire, n'est pas sa première expérience puisqu'il a même déjà entraîné hors du pays. Mais pour l'heure, je ne me cache pas, il est à la recherche d'un club. Monsieur Aïssi Sylvain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes heureux d'être au Cameroun et surtout de prendre part à cette émission B News Football Club. Je suis très heureux parce que c'est dans un si joli beau studio qui est B News Football Club et je suis heureux et je crois qu'ensemble on aura à être plus heureux quoi. Très heureux et juste à votre côté, je ne vais pas le cacher, lui, c'est un jeune manager, c'est vraiment du jeune lourd dans l'ombre, il est jeune par le visage, par le phénotype, je le dis même, mais c'est un monsieur très grand dans la tête, dans l'esprit, il accomplit de très grandes choses. En fait, je vais m'arrêter en termes d'éloge à l'endroit de monsieur Georges Foy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. La forme? Ça va, ça y va. Mais pour quelqu'un qui accomplit les grandes choses, vous êtes assez timoré, Georges. Comment ça va pour un footballeur? Ça va, je mange par la grâce de Dieu, ça va, ça va. C'est cool, par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Je vais revenir à ma droite. Eux, ils sont certainement un peu plus prolixes. Déjà, juste à côté de moi, journaliste de sport. C'est vrai qu'il aime me dire que lui, il aime monsieur football. Parce que c'est vrai qu'il touche à tout, mais il aime plus parler du football. À un moment donné, il était même à la tête d'une organisation, d'un centre de recherche. Peut-être reviendra dessus. Monsieur Eric Boulon, bonsoir. Bonsoir, Franck. Parlez-nous un peu de ce centre, qu'en est-il aujourd'hui? Le collectif africain de recherche et d'études de sport, en abrégé CARES, on est encore en plein dans ce projet, on y travaille encore parce que l'actualité sportive dans le monde, ça bouge tellement vite Et ça nous demande d'être vraiment très tous les jours vraiment très professionnels et centrés sur les sujets sur lesquels il faut tabler au quotidien. Donc c'est de la recherche, c'est pas juste des sujets de reportage, c'est pas forcément du journalisme qu'on fait, mais c'est de la recherche. Et donc on a besoin de beaucoup de têtes qui réfléchissent. Beaucoup de ressources, bien évidemment. Il y a des universitaires avec lesquels on travaille, il y a des centres de recherche également associés avec lesquels on travaille dans le cadre de ce projet. Donc aujourd'hui, on en est vraiment à tabler sur des éléments sur lesquels nous devrons travailler. Mais nous y sommes et on espère que d'ici peu, on aura au niveau de l'administration arrangé un certain nombre de détails qui nous permettra d'avoir vraiment le nécessaire. Vous allez certainement revenir ici, on en parlera. Ça nous intéresse particulièrement. Et pour cette édition, autre édition, je suis là bien sûr avec mon confrère, mon compagnon habituel, Monsieur Football Lion indomptable sur B News One, Elvis Souma. Bonsoir. Bonsoir Fonpec, bonsoir à tous nos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de B News One au tam-tam du continent. Suivez-nous et restez bien devant votre petit écran parce que ce soir, il y a de la jeunesse et les informations vont couler de source. Exactement, Elvis, souvent dans ce journal d'espoir avec cette information qui fait le chou gras de la presse depuis quelques heures déjà, il s'agit de ce doute qui plane sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture au stade, au complexe sportif d'Olimbé. Il faut dire, cela a été, cette information a pris donc le cœur et même a quasiment confisqué tous les tabloïds et même tous les médias depuis hier, après la diffusion de cette correspondance signée du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo, adressée au président du comité d'organisation locale de la CAN Total Énergie 2021. Dans cette correspondance, plusieurs critiques avaient été mises à l'endroit du Cameroun. Je vous propose d'ailleurs, pour qu'on soit au même niveau d'information, de prendre ce reportage. Un reportage non seulement qui reviendra sur la correspondance, mais surtout sur la sortie du ministre des Sports ce jour, qui est revenu en faisant notamment rassurant les Camerounais que le complexe sportif d'Olimbé sera prêt ce 30 novembre. Prenons ce reportage, on revient juste derrière pour les commentaires. Le stade d'Olimbé sera prêt le 30 novembre prochain. C'est la déclaration faite ce mercredi 24 novembre par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelle Kombi, en réponse à la correspondance de la CAF. Je voudrais rassurer l'opinion que le délai contractuel de livraison de ce complexe est fixé au 30 novembre. Et qu'au 30 novembre, au rythme où vont les travaux, j'ai consulté le rétro-planning tout à l'heure, nous sommes sur la bonne lancée et le complexe sportif d'Olimbé sera bel et bien prêt pour l'accueil de la cérémonie solennelle d'ouverture de la CAN Total Énergie le 9 janvier prochain. Dans une correspondance envoyée le mercredi 17 novembre 2021 au président du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo Omba, indique que les dispositions sont d'ores et déjà prises pour la délocalisation du match d'ouverture de la compétition si tout n'est pas réglé au stade d'Olimbé avant le 30 novembre prochain, délai de livraison. Avec photo à l'appui, le secrétaire général de la CAF constate que l'état d'avancement des extérieurs du stade Olimbé, dont la livraison est promise le 30 novembre, semble sans progrès depuis sa dernière visite datant du 22 octobre. Il invite le COCAN à partager avec lui un plan de travail de l'entreprise chargée des travaux. L'instance fêtière du football continental appelle également Narcisse Mouelle Kombi et son équipe à constituer une équipe responsable de la gestion du stade et lui en présenter l'organigramme, tout comme elle demande de s'assurer que la clôture du périmètre extérieur sera installée avant le 10 décembre 2021. Une position de la CAF qui n'inquiète apparemment pas le patron du sport du pays des Lions indomptables. Bien sûr, la correspondance que vous évoquez du 17 dernier de la CAF, pour nous, cette correspondance est en retard, et en décalage et en déphasage par rapport à la réalité concrète sur le terrain. Donc je voudrais dire qu'il n'y a pas matière à panique. C'est donc ce 30 novembre que sera donné le verdict du stade Olimbé. Stade prévu pour accueillir la cérémonie et le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations le 9 janvier 2022. Faut dire que tout à l'heure, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le président du COCAN, le professeur Narcisse Mouelle Kombi, a fait une visite très rapide, une visite express du côté du complexe sportif de Limbé. Vous avez suivi sa réaction tout à l'heure. Est-ce que vous partagez l'optimisme du patron des sports au Cameroun quant à la livraison à date du complexe sportif de Limbé le 30 novembre et aussi que ces infrastructures vont bien entendu accueillir la cérémonie d'ouverture de la CAN et le match, bien sûr, Cameroun-Burkina Faso prévu le 9 janvier. Tout d'abord, je suis moi, très inquiet par rapport à ce qui ressort, pas du Cameroun, mais de l'extérieur. Parce qu'à chaque fois, on nous a rassurés ici que tout serait prêt, que tout va bien, que tout est parfait. Mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. J'aime pas trop parler des sujets à polémique à chaque fois. Donc, c'est un sujet à l'ordre du jour. Je suis d'accord. Les assurances sont venues. Chaque fois, on nous a dit, eh ben, tout est prêt. On a même fait des descentes à chaque fois. Et tout semblait, en tout cas, on avait l'impression que le stade, c'est uniquement la pelouse, c'est les sièges à l'intérieur, c'est-à-dire les gradins, la piste d'athlétisme et tout le reste. Et donc, on avait oublié l'extérieur et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, je suis, comme tous les Camerounais, vraiment pas optimiste, mais vraiment très pessimiste. Et maintenant, ce que je dis simplement, c'est que le ministre a rassuré à nouveau aujourd'hui, c'est une énième rassurance qu'il donne aujourd'hui, que le stade sera prêt le 9 janvier prochain pour accueillir... Je veux dire pour accueillir la compétition. Je ne parle pas du délai de livraison parce que le délai, lui, c'est mardi, la semaine prochaine, dans une semaine carrément. Maintenant, techniquement, je suis pas un ingénieur. Maintenant, techniquement, je vois pas comment on va finir le travail qu'il y a à faire à Olivier dans une semaine. Mais bon, maintenant, ce que je dis, c'est que moi, j'attends simplement que la CAF dise bah, que voilà, le stade d'Olémé va accueillir les matchs de la CAN. C'est tout ce que moi j'entends. Le reste, vraiment, moi, ça m'intéresse pas. Tout ce que le ministre va dire, moi, ça m'intéresse pas. Vraiment, je ne veux pas rentrer dedans. Avant de passer la parole notamment à M. Georges Foy, restons toujours avec ces belles images. Je remercie vraiment le magnifique travail de M. Serge et Somba. Il faut dire que ce sont des images fraîches. Elles ont été prises aujourd'hui. Peut-être on peut les avoir à nouveau. Le complexe sportif d'Olémé, c'est vrai qu'on dit qu'il n'est pas achevé, mais Elvis Souma à M. Aïssi soit encore Monsieur Foy. Regardez tout de même, il faut dire c'est pas assez laid. Est-ce que vous ne trouvez pas, Elvis, je vais commencer avec vous, est-ce que vous ne trouvez pas que la Confédération africaine de football est assez dure? Tout à l'heure, on a suivi le ministre des Sports le dire, que ce sont des informations qui sont en déphasage et en décalage avec la réalité, que la dernière visite effectuée par Véron Mosengo remonte à quelques semaines, notamment à octobre. C'est vrai qu'on, d'après la CAF, ces images, ce qu'elle a déclaré d'après la CAF, c'était elle s'est appuyée sur des images prises le 16 novembre, donc très récemment. Mais Narcisse Mouelle Kombi estime que le complexe sorti de Limbé sera prêt dans 6 jours. Oui, Franck, vraiment, cette sortie venant de la CAF n'a vraiment pas lieu d'être. Ah là là. Parce que à ce moment-ci, le Cameroun n'a plus besoin de ce genre de communication. Parce que je crois que le Cameroun ne s'est pas auto-désigné pour organiser la CAN. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs visites ont été menées au Cameroun et je crois que c'est la CAF qui a dû valider. Et dernièrement, nous avons signé l'accord 4. L'accord 4. Maintenant, on retombe sur Olimbé, il communique comme ça et nous savons que le Cameroun est très sensible. Les Camerounais sont très sensibles, surtout avec ce dossier d'Olimbé. Ce dossier de Limbé a fait couler beaucoup d'encre, des histoires de corruption, de détournement. Mais là, pour moi, je suis clair et je suis serein. Le stade de Limbé sera prêt comme le ministre. Alors, mais attention, je vais apporter juste un petit éclairage sur... La CAN n'a rien... En tout cas, aujourd'hui, que le stade d'Olimbé soit prêt ou pas, le Cameroun va bel et bien accueillir sa CAN. Donc, l'accord CAN n'a rien à voir avec le stade. Si le stade d'Olimbé n'est pas prêt, cela ne voudrait pas dire que le Cameroun ne va pas accueillir sa CAN. Ce que la CAF fait tout simplement... Lequel? Parce que, vous ne pouvez pas dire, le stade... Nous avons prévu, je pense que... le stade va accueillir une poule. La Fédération camerounaise, ou l'État du Cameroun. L'État du Cameroun a prévu que la poule A va se jouer, le match d'ouverture va se jouer à Olimbé. Tout à fait. Donc, il est inadmissible que nous disions que ça va se jouer ailleurs. Mais là, il y a une nuance. à partir du moment où le match d'ouverture ne peut pas se jouer ou c'est prévu. Ça tombe déjà un échec. Avant, je ne peux pas faire la non, il y a un échec. Là, il y a un échec. Eric, permettez-moi de vous lancer tous les deux. Je vais vous lancer. En fait, ce qui est remis ici par M. Georges Foy, il fait savoir que ne prenons pas ça comme un problème anodin, le fait de disqualifier le complexe sportif d'Olembé. Parce que si le complexe, j'arrive, je vais vous donner la parole à Eric Boulon, si le complexe sportif d'Olembé se voit être retiré de l'ouverture, il faudra revoir la redisposition de cette la a du Cameroun. Et on appelle notamment être logé dans le complexe d'Olembé. Si Olembé n'existe plus, on parle de plan B. Mais vous savez, c'est possible. Plan B, c'est l'échec. C'est l'échec. Non, c'est l'échec. Là, c'est l'échec. C'est l'échec. On n'a pas le slogan. Je vous en prie, vous aurez la parole. Le match d'ouverture doit se jouer dans un stade d'une capacité de plus de 50 000 places. On imagine que ça sera à Japoma. Japoma qui était déjà prévu pour accueillir d'autres matchs. Vous voyez ce... Est-ce que selon vous, Eric Boulon, ça sera facile à gérer? Là n'est pas moi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis d'accord que si aujourd'hui la CAF invalide le stade d'Olembé, il y aura vraiment un gros chamboulement et ce sera un gros échec pour le Cameroun de ne pas pouvoir en près de 8, 9, 10 ans, ne pas pouvoir terminer la construction d'un stade. Vraiment, ce sera une grosse bavure et quelque chose vraiment d'incommensurable. On est d'accord là-dessus. Moi, ce que je voulais relever, c'est que aujourd'hui, la CAF n'est pas en train de dire que si Olembé n'est pas prêt, on va retirer la CAN au Cameroun. Nous ne sommes pas en 2019. C'est juste pour lui dire que... Nous ne sommes pas en 2019. C'est pour lui dire que l'accord cadre n'a rien à voir avec le stade d'Olembé. C'est tout. Vous sortez du sujet. Nous sommes au niveau où le match amical, le match d'ouverture ne pourra pas se jouer à Olembé. Et c'est là où nous disons que c'est un échec pour le Cameroun. Un échec pour le Cameroun. Oui, mais Georges, restons ensemble. La boule A. Georges, restons ensemble toutefois. Déjà pour vous, il faut dire que la Confédération africaine de football a avancé plusieurs raisons. Elle est revenue notamment sur l'absence en termes notamment de clôture. On va le dire de façon triviale. Elle a parlé aussi de la non-communication au niveau des protocoles Covid. Elle a aussi parlé notamment aussi de la technologie liée aux LED. Bref, elle a fait quelques remarques. Selon vous, vous êtes quand même un spécialiste des questions de football. Vous voyagez, vous faites plusieurs pays dans votre activité d'intermédiaire de football. Vous voyez des stats. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être vous n'avez pas encore tâté ça du doigt, est-ce qu'on doit vraiment tirer sur le Cameroun avec tous les efforts consentis par le gouvernement? Est-ce qu'on doit tirer sur le Cameroun à quelques jours de la CAN? Est-ce qu'Olembé pourra être prêt pour cette prochaine Coupe d'Afrique? Moi, excusez-moi, monsieur Frampek, parce que là, nous avons un problème. C'est comme si la CAF, oui, la Confédération africaine de football, a un problème avec le Cameroun. Comment ça? En particulier avec le Cameroun, parce que nous avons vécu une Coupe d'Afrique en Afrique du Sud en 2010, oui, où les stades étaient infinis. Mais nous avons des mauvais exemples. Non, nous parlons de ça, parce que où la Coupe d'Afrique était infinie, nous avons les mêmes journalistes, la même CAF, la Confédération africaine a couvert l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être un peu... 2010, il me semble en 2010, en Angola, la CAN. Dans la boue, non, c'est une... peu importe l'année, je veux dire, c'est pas... En fait, c'est ça. C'est vrai qu'en 2010, c'était en Angola, vous le dites, je crois que c'est 2013. Non, il y avait la Coupe du Monde, je parle de la Coupe du Monde. Oui, il veut dire que la Coupe du Monde se joue alors qu'il y avait les stades qui étaient en chantier. Il y avait qui étaient en chantier. Nous avons joué... Il y a le Brésil qui a joué dans un stade qui était en chantier. Et pourquoi au Cameroun, nous ne pouvons pas jouer aussi dans un stade qui est en chantier? Non. Là, il y a un problème. Monsieur Aïssi, je vais rapidement aller avec vous. Monsieur Aïssi, vous êtes technicien de football. Certainement que les infrastructures qui sont dotées au Cameroun par le biais du chef de l'État vont bien sûr vous aider, ainsi que tous les joueurs que vous encadrez. Parlons notamment du complexe sportif d'Olembé. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on devait encore être dans des supputations liées à ce stade? Parce que on sait bien sûr que les chantiers ont commencé, Eric Boulon le disait, pratiquement depuis 10 ans. On parle d'un stade XXL, nous en sommes encore là à parler d'une CAN qui, dans l'organisation un peu hypothétique, c'est vrai qu'Eric Boulon nous dit non, on parle seulement du match d'ouverture, mais si le match ne se joue pas là, c'est même aussi l'honneur et l'aura de cette CAN qui en prendra un coup. Est-ce que pour vous, Olembé devait encore faire problème actuellement? Vous savez, j'appelle toujours ça les histoires du Cameroun parfois, nous aliénent mentalement. Parce que, et moi c'est un problème systémique, c'est le système. Parce que vous ne pouvez pas me dire, après la première pause pierre du chef de l'État, je crois que la présidence est à quelques mètres, quelques kilomètres d'Olembé. Et c'est le stade Paul Biya. C'est vrai que c'est pas encore baptisé Paul Biya. Bon, c'est... Officiellement, c'est pas encore baptisé. Officiellement, c'est pas ça. Mais je crois qu'en l'eau de temps, on nous a fait part que c'est le stade Paul Biya. Oui. Et 10 ans après, on est là stipulé. C'est pas fini. La CAF nous tire dessus. On se plaint de la CAF. Mais qui nous a envoyé? Qui nous a envoyé organiser la CAN? On nous a pas forcé. On s'est porté garant. On a donné les rassurances à la CAF. Mais pourquoi aujourd'hui il faut se mettre à dire la CAF nous tape dessus? Mais ça, mais je vais pas vous relancer. Il faut quand même reconnaître qu'au moment où le Cameroun a bénéficié de l'organisation, c'était pour une CAN à 16. Monsieur Franck, par la suite, le Monsieur Franck, on vous a pas forcé. On aurait pu. On n'a pas forcé le Cameroun à organiser une CAN à 24. C'est un peu clair. Non. On nous a pas forcé. Pourquoi aujourd'hui on se met à stipuler, on se met à tirer derrière la CAF et tout ça? Non, on n'a pas été forcé. Moi, mon regret au Cameroun, parce que sincèrement nous sommes en retard dans tout ce qu'on fait, mais nous les Camerounais, c'est nous qui nous donnons, c'est nous qui avons donné la fesse pour qu'on nous chicote, c'est nous qui la donnons. Si aujourd'hui, à un moment donné, on devient presque ridicule, et la CAF a un jeu qui se passe, parce que vous ne comprenez pas depuis qu'il y a les équipes en place. Il y a un jeu qui se passe. Expliquez-nous, peut-être vous êtes... Parce que ce jeu, c'est que la CAF vient, il tape le gouvernement, et à un moment donné, après ils vous disent, mais ça, si on vous laisse ça, de l'autre côté, regardez ce qui se passe entre la FECAFOOT et le ministère. Regardez ce qui se passe. Pourquoi avant il n'y avait pas ça? Pourquoi il n'y avait pas ce random avec la CAF? Cameroun, CAF. Donc vous avez l'impression que toutes ces sorties de la CAF cachent aussi... Il y a beaucoup de choses qui se sont liées à... Il y a beaucoup de choses liées. Il y a beaucoup de choses liées. Qu'est-ce que la FECAFOOT fait? Même pour amortir cela. Mais quand il y a un événement pareil, les premiers journalistes, les premiers gens attirés sur le gouvernement, ils sortent de la FECAFOOT. Comment vous pouvez vendre votre pays à quelques mois, à quelques semaines d'une canne? Pourquoi la CAF a tiré sur nous. Mais nous, ici, en interne, on dit, mais basta, on est déjà, le train est lancé. Le train est lancé. Le train est lancé. Les États-Unis, c'est l'un des pays qui vend du bluff à cause de la com. L'Amérique est la première puissance au monde aujourd'hui parce que la majorité de ce qu'elle nous propose, c'est du bluff. Mais monsieur, ici, la question que je vous pose, est-ce qu'on doit continuer à vendre du bluff dans le pays? Non, c'est pas vendre du bluff. Protégeons-nous d'abord, nous les Camerounais. On connaît le manquement. La supercherie. On connaît, c'est pas la supercherie, c'est pas qu'on supporte la supercherie. Nous connaissons les problèmes qu'il y a dans ce. Nous connaissons tout ce qui se passe ici. Mais arrêtons d'aller nous vendre à l'extérieur. Arrêtons de nous vendre comme des petits pains à l'extérieur. Arrêtons de montrer nos faiblesses, arrêtons de montrer nos tares à l'extérieur dans le monde entier. Moi, je préférais ça. Un instant, je vous donnerai la parole. Sincèrement, nous connaissons tous les problèmes qu'il y a dans ce pays. Oui. Mais rien ne fait plus mal. Parce que nous, par exemple, imaginez-vous, j'étais dans un petit pays ici en Guinée. Mais vous vous rendez compte, un président de club qui dit à un jeune homme, un Camerounais, que mais, tu veux telle somme. Là-bas, on ne vous donnait pas l'oreiller à la période Covid et tout ça. Donc, ils sont au courant parce qu'on dévoile. Mais regardez comment vous baissez la valeur. Vous, en faisant cela, vous baissez notre valeur à l'extérieur. Parce qu'en balançant n'importe quoi ici dans ce pays, tout ça va à l'extérieur. Le Camerounais fait, le Camerounais. Vous croyez qu'à l'extérieur, quelle est l'image qu'on a de nous? Quelle valeur on a encore? Ça, c'est peut-être vrai. Parce qu'il y a des choses quand même. Ici, il dit que le lèche, ça devrait se laver en famille. Oui, c'est pas aujourd'hui, c'est pas un mois d'une compétition que vous allez venir nous balancer ça entre nous, les journalistes. Premier, oh, la cavalette rouge, machin. Mais c'est une information. Mais monsieur, ici, vous n'allez pas faire le reproche à B News One de ne pas évoquer une actualité aussi sensible. Qu'est-ce qui est sensible? Non, mais je veux dire, le fait de ne pas pouvoir organiser le match d'ouverture sur le complexe sportif d'Olympe, c'est une. Non, vous mettez. On a commencé dire que ça ne se fera pas. Oui, mais ne commencez pas. Pas fait paniquer tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez bien suivi le reportage. Le reportage avait un temps pour rassurer. La preuve, on a donné la parole au patron des sports du Cameroun. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, monsieur. Enfin, je reviens vers Eric Boulon. Eric, parlons pour sortir. Le 30 novembre, dans 6 jours, le complexe sportif d'Olympe devrait être présenté, devrait être fin prêt. On a eu les assurances du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelle Kombi, qui dit qu'on sera prêt. Je vous repose cette question à nouveau. Est-ce qu'on sera prêt, primo? Et si on ne l'est pas, à quoi doit-on s'attendre? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la CAF n'est pas là pour tirer sur le Cameroun. La CAF est là pour attirer l'attention du comité d'organisation de la CAN 2021. Il est question pour la CAF Il est question pour la CAF d'organiser une très bonne compétition. Il est question pour la CAF d'organiser une très bonne compétition. Et donc, la CAF doit s'assurer que tous les éléments sont en adéquation avec l'objectif qu'il vise ou qu'elle vise. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Maintenant, quand elle se rend compte qu'il y a des éléments qui ne lui permettent pas, en tout cas qui vont peut-être ne pas pouvoir lui permettre d'atteindre son objectif, eh bien, elle essaye tout simplement de dire ici, il y a telle chose qui ne va pas, essayer d'arranger pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. C'est simplement ce que la CAF est en train de faire aujourd'hui, attirer l'attention du Cameroun sur les retards que ce dernier pourrait accuser dans l'organisation de ce championnat-là. Maintenant, pour revenir à la question de Franck, alors est-ce que dans 6 jours, Limbé sera prêt? Ce que je dis simplement, c'est que depuis fort longtemps, il y a des communications qui se font, les communications officielles qui se font par rapport aux avancements de ce stade-là. Dernièrement, c'était encore le secrétariat général de la présidence de la République, en la personne du ministre Ferdinand Gongo, qui effectue une tournée dans toutes les infrastructures, dans tous les sites qui vont abriter la CAN. Donc, lui aussi, elle a rassuré les Camerounais que tout marche bien, tout fonctionne normalement et que tout sera prêt. Bon, non, il n'allait pas rassurer, il allait quand même faire une visite d'évaluation. De toutes les façons, il a évalué, il a donné, il a fait comprendre aux gens que à l'heure où il fait son évaluation. N'est pas spécialiste, n'est pas technicien. Oui, mais quand il fait une sortie, quand une personnalité comme celle-là fait une sortie. Quand Ferdinand Gongo, excusez-moi de tout le respect, ça veut dire quand il vient, il dit ben, les stades sont déjà, le stade avance bien. Avance bien, il n'est pas ingénieur. On est d'accord qu'il n'est pas ingénieur. Il n'est qu'un administrateur au Cameroun. Il n'est pas ingénieur. Il n'a pas de capacité, il n'a pas de qualité. Est-ce que quand le ministre des Sports dit que tout sera prêt dans 6 jours, est-ce qu'il est ingénieur? Non, vous croyez que... C'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Non, Georges, je vous donnerai la parole. Ce que je veux simplement dire, c'est que les personnes qui sont habilitées à nous donner les informations, les assurances l'ont fait. Oui. Maintenant, est-ce que ce sont des ingénieurs? Oui, parce qu'ils sont accompagnés de ces ingénieurs-là. Voilà, maintenant, on ne va pas s'attarder dessus. Ce que je vais simplement dire aujourd'hui, c'est que moi, en tant que Camerounais, vraiment, moi, je suis très pessimiste quant à la capacité de l'entreprise qui est en charge de ces travaux-là, de pouvoir livrer ce chantier à temps. Vraiment, je suis très pessimiste. Maintenant, je voudrais bien, et je serais très heureux que ce stade-là accueille la CAN à partir du 9 janvier prochain. Pourquoi? Parce que le stade de Limbé va permettre de vendre mieux l'image du Cameroun. Il déplorait cela tout à l'heure. Ça va permettre de vendre mieux l'image du Cameroun et ça va permettre aux Camerounais de se réconcilier avec, entre guillemets, les dirigeants. Parce que si le stade de Limbé n'est pas prêt, donc si la CAF retire la compétition au stade de Limbé, il y aura un choc entre les populations. Ça sera en tout cas, les populations seront très choquées. Ça sera plutôt une canne à mer. Voilà, les populations seront très choquées et l'image du Cameroun ne sera pas vendue si jamais l'ouverture du stade de la CAN se fera à l'Omnisport. Ou alors à Japoma. J'ai rien contre l'Omnisport, mais si le match d'ouverture se fera à Japoma, vraiment, ce sera pas une catastrophe, mais ce sera vraiment pas du tout du même goût. Elvis Souma, avant de donner la parole à Georges Foy pour clôturer, Elvis, on parle du problème de Limbé. Vous qui êtes un fin limier, vous avez déjà fait des descentes de ce côté-là. Moi, je voudrais avoir votre œil de journaliste, votre œil de fouineur. Vous avez certainement les dernières informations, les fraîches. Est-ce qu'on sera prêt, Elvis? Moi, j'aime être cela. Et j'aime poser la question. Est-ce que ça sera prêt dans 6 jours? Soit on crée. Peut-être, monsieur Somba va nous montrer, Serge Somba qui fait la réalisation peut nous montrer les dernières images. Parce que parfois aussi, on est assez dur avec le Cameroun. Il faut voir les dernières images. Le ministre était là-bas aujourd'hui. Voici les dernières images du complexe sportif de Limbé. On voit les écailles de pangolins un peu partout. On voit les voies d'accès qui ont l'air de quelque chose. Vous allez même voir l'intérieur avec le stade qui est déjà revêtu du tartan. Les écrans LED déjà installés. Il faut qu'ils prennent la vue sur tous les arbres. Non, mais je veux dire, on va passer la photo. Regardez, voici d'autres angles. Elvis parlait pendant ce temps. On essaie de voir les photos. C'est un stade fini? Non, moi je dirais que c'est un stade complet. Le stade, pour commencer, le stade, celui qui est concerné par le football, c'est la vraie. Ça ne souffre d'aucun doute. Parce qu'on l'a toujours réitéré, à chaque sortie, le ministre l'a toujours réitéré que le stade sera prêt. Le stade, l'air de jeu. On attend que ça. Il n'y a pas de problème. On attend que ça. Quant aux alentours, c'est vrai qu'avec un délai de 6 jours, ce serait un peu compliqué. Mais il faut rappeler aux gens que les matchs ne se jouent pas aux alentours. C'est les parkings ou quoi? Les matchs ne se jouent pas. Et surtout, le ministre, dans sa sortie aujourd'hui, il a fait savoir que ce stade a déjà accueilli un match d'envergure internationale. Oui. Le match Cameroun-Malawi s'est joué. C'est vrai qu'il n'y avait pas de public, mais ce stade, ne faisant pas comme s'il ne peut pas accueillir des matchs d'envergure. Maintenant, c'est à la CAF de décider avec son cahier des charges. On a eu un problème. Là, on a eu un problème. Parce que nous avons un problème le jour là. Parce que la même soirée qui est le lendemain, le goal du stade Amadou Ahidjo a été déporté au stade Olympique. Là, il y a une nuance. Non, mais les goals, il y a eu une. Non, là, ça veut dire que là. Non. Il y a eu un gros problème. Ne parlons pas tous à la force. Vous savez, ça crée un effet assez désagréable. Oui, Elvis, vous aviez la parole. La question était de savoir, Elvis, est-ce qu'on sera prêt? Vous nous faites savoir qu'on sera, c'est assez juste. Mais parlant notamment des stades, vous dites que ça sera assez juste. L'organisation, notamment le fait qu'on termine avec ces matchs, Elvis. Déjà, avant de vous repasser la parole, on va prendre rapidement Monsieur Georges. Georges, pour vous, le Cameroun sera prêt? Le Cameroun est déjà prêt. Déjà, le Cameroun est prêt. Nous connaissons... Dans toutes les critiques liées aux problèmes, notamment de marketing, pas d'organigramme connu concernant les différents postes, pas de professionnalisation en termes notamment du partage d'informations liées au protocole Covid, problème de clôture, voie d'accès. Pour vous, tout ça, ça a été inventé par... Non, je dois vous dire que notre pays, c'est un pays... c'est un pays libéral, c'est un pays où il y a démocratie, c'est un pays qui pratique la démocratie, un pays libéral, parce que au Cameroun, les étrangers sont respectés, sont accueillis. Quel est le rapport avec la CAN? Non, qui va avec la CAN qui va se jouer. La CAN qui va se jouer, ça veut dire que nous sommes déjà prêts par rapport à notre comportement, par rapport au comportement des Camerounais. C'est un pays hospitalier. C'est un pays hospitalier, vous voyez. Avec tout ce que la CAF vient faire, moi je ne conçois pas que 6 jours après, la CAF revienne après avoir dit, dénoncé que non, les stades sont prêts, le Cameroun est prêt pour une éventualité, pour une compétition pareille. Ça vient de se dédire après que non, si, par rapport à un stade de football, que non, le Cameroun n'est pas prêt, tout ça. Moi je trouve que c'est un sabotage. C'est un sabotage parce que, comme ils savent, qu'aujourd'hui, le Cameroun a une déstabilisation au niveau de la fédération. On a des difficultés et tout ce qui se passe. C'est un chantage. Bon, c'est un chantage. C'est un chantage. C'est sur ce peut-être qu'on va prendre une petite transition, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux à suivre cette édition de B News Football Club, New Look sur B News One. Vos réactions sont les bienvenues sur la page de l'émission, page Facebook. Vous pouvez réagir, faire vos suggestions, contribuer à ce programme. Tapez tout simplement B News sur Facebook ou même, pourquoi pas, sur YouTube. On attend vos réactions. Les nombreux, on remercie déjà ceux qui sont en train de contribuer à ce programme. Quant à nous, on prend une petite transition, on revient juste derrière pour rester dans le football, mais là on parlera des Lions indomptables. Et oui, mesdames et messieurs, on parle donc, passons à la deuxième articulation de ce programme, deuxième thématique au menu. Parlons du football toujours, c'est bien le Football Club. On parle cette fois-ci des Lions indomptables du Cameroun. Il faut dire que le Cameroun s'est donc qualifié pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 à l'issue d'un dernier match comptant pour la 6e journée face à la formation ivoirienne. 1 but à 0, l'unique but du Cameroun a été inscrit par l'homme qu'on ne présente plus, le Gons, le joueur de l'Olympique lyonnais Karl Toko Ekambi. Et grâce à ce succès, le Cameroun a pu dévancer les Ivoiriens et s'est donc qualifié et fait partie des 10 équipes retenues pour les barrages. Pour l'heure, le Cameroun est bien entendu logé dans le pot 2, ça veut dire les équipes les moins bien classées au classement FIFA. Peut-être on aura certainement l'image de ces équipes qualifiées tout à l'heure pour savoir quels sont les potentiels adversaires du Cameroun Quel pourrait être le meilleur tirage du Cameroun, notamment pour cette suite, avec la magnifique contribution de notre réalisation, on peut voir ces équipes. Mais déjà, avant de parler du meilleur tirage pour le Cameroun, Monsieur Eric Boulon, je vais commencer avec vous. Selon vous, déjà, quelle appréciation faites-vous de cette équipe? Quelle appréciation avez-vous fait de cette campagne des poules des Lions indomptables? Ah ben, le plus important pour le Cameroun, c'était de pouvoir parvenir à se qualifier pour les barrages. Ça a été fait. Donc, félicitations à cette sélection des Lions. Peu importe la manière. Maintenant, justement, par rapport à la manière, il y a beaucoup de choses encore à corriger. Ils ont livré face à la Côte d'Ivoire, qui était l'adversaire le plus redoutable par rapport à cette campagne de poule. Durant ce match retour, ils ont livré vraiment 30 minutes de très très haut niveau. Vraiment, c'était agréable à voir. Il y avait de mouvement, il y avait de la vitesse, il y avait du jeu, il y avait des déplacements, beaucoup de choses, beaucoup de volonté de la part de ces Lions. Et heureusement, ils ont eu de la réussite. Mais après les 30 premières minutes, on a retrouvé une sélection du Cameroun vraiment moribonde, une sélection vraiment qui n'arrivait pas à retrouver ses repères, une équipe qui n'arrivait pas vraiment à faire du dédoublement, les joueurs qui n'arrivaient pas à se retrouver, et donc qui est retombé, comme je l'ai dit, dans ses travers, et qui n'a fait que je vais pas dire de l'union, parce qu'on est habitué à avoir une équipe quand même avec un beau visage. Mais celle que nous avons vue après les 30 premières minutes ressemblait à tout sauf une sélection camerounaise. Et donc, on s'est reposé les questions de savoir est-ce que les 30 minutes livrées étaient du bluff, était quelque chose qui n'était pas préparé du tout. Et donc, c'était que quelque chose comme ça. Mais maintenant, le plus important, comme je l'ai dit, était de se qualifier. Et ça, ils l'ont fait. La suite, maintenant, on va la préparer autrement. On va la préparer autrement. Vous êtes un technicien, Monsieur Aïssi. Avec vous, on va un peu aller sur des aspects tactiques, parlant notamment du jeu camerounais. 6 sorties tout de même, on va parler de 5 victoires de rang, une seule défaite. C'était face à la Côte d'Ivoire du côté d'Abidjan et Bimpe. On se rappelle de ce match sur un stade, un champ de patates pour être assez poli à l'endroit de nos frères ivoiriens. Le Cameroun a remporté ses 5 autres rencontres. Aller et retour face au Malawi, aller et retour face au Mozambique. Et dernier match face à la Côte d'Ivoire. Mais dans le contenu, quelles sont vos observations, monsieur le technicien? Le contenu est à l'image de ce que nos enfants produisent. Le contenu est à l'image de ce que le Cameroun est depuis quelques années. Ça veut dire que nous avons, d'abord au plan national, nous avons une formation qui est mal faite. Nous avons des championnats jeunes qui sont mal élaborés, qui n'avancent pas, qui sont... Aujourd'hui, vous jouez 2-3 matchs, après vous attendez 6 mois, 8 mois, 1 an après, 2 ans après. Ce qui fait que ces bonhommes, nous oublions que c'est ces bonhommes à la longue qui deviendront, qui sont ces internationaux. Moi, je me souviens, ça fait quelques années, un garçon comme Oyongo Bitolo, Moumingamale, qui jouait dans Moussango, en 3e division départementale du Fundi, qui ont joué des matchs là sur la poussière, qui ont été recrutés à l'époque par Denis Lavaille, à Coton Sport. Et c'est ces bonhommes aujourd'hui qui font quoi? La fierté de l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi ces classes passant. Il y avait des compétitions jeunes qui se jouaient à cette époque-là. Il y avait la D3 qui se jouait, qui avait 35 journées, 34 journées en D3 départementale du Fundi. Donc, les bonhommes ont acquis une certaine expérience dans la formation et tout ça. Et aujourd'hui, avec la fédération qui, on va en parler, qui n'est pas bonne, qui n'est pas bien, rien ne se joue depuis des années. Et regardez même la traçabilité de nos joueurs qui sont à l'étranger. Regardez dans les différents championnats qu'ils sont. Ça va donner quel niveau? Le niveau, c'est que... Parce que parfois, j'entends les gens dire « On peut aller au Cameroun, c'est dans la qualité. Dans... » Non, mais c'est notre niveau. Mais maintenant, les gars ont fait leur job. Le job, c'est quoi? C'était passé. Quand vous allez commencer à jouer un tournoi, une compétition, ou cette phase qu'ils ont fait, cette phase de barrage, c'est aller le plus loin possible. C'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Et bravo, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est que la fédération veut de ces bonhommes. C'est se qualifier pour la Coupe du Monde et aller atteindre les primes de toutes les participations de la Coupe du Monde, les 3 milliards de mots, combien là? C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on nous... En fait, c'est ce qu'on leur demande. Et ils sont en train d'avancer comme on veut. Maintenant, la qualité, sincèrement, m'attarder sur la qualité, c'est le reflet de ce que nous produisons. C'est le reflet de ce qu'on produit. Maintenant, je vais aller vers monsieur Georges Foy. Georges, avec vous, on parle quand même, il a évoqué un problème de la qualité du jeune footballeur Camerounais, vous êtes quand même, en tout cas, je pense que vous êtes intermédiaire du joueur dans la vente. Déjà, avant de parler de cette équipe, est-ce que le footballeur camerounais est encore bankable? Est-ce qu'il est vendable? Vous vendez, c'est vrai que c'est pas très élégant de parler de vendre des joueurs, mais vous faites sortir des footballeurs dans votre activité. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que le footballeur camerounais encore le vent en poupe à l'extérieur? Il a parlé du problème de formation. Avant de revenir sur l'équipe nationale, si on vous demandait de dresser un petit diagnostic de l'état du football et du footballeur camerounais à l'international, quelle est sa valeur? Monsieur Franck, je vous dirais, moi en qualité d'agent, le Cameroun n'a plus vraiment la matière. Comme auparavant, comme on a connu dans les années 2000, 98, 2000, 2001, 2007, 2008, il y avait la matière. Ou un peu plus tôt même en 90. Un peu plus tôt ou en 90. Où tout ce problème va du championnat des jeunes. Parce que nous avons vu auparavant, il y avait ce qu'on appelle le championnat des jeunes, qui était le championnat minime, cadet, junior, qui était suivi. Et d'autres entreprises brassicoles organisaient même des tournois jeunes. Oui, les tournois jeunes, oui, en fait. Ça veut dire que un minime pouvait jouer 44 matchs, 22 matchs aller, 22 matchs retour, un cadet de même. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons où il y a un système de corruption parce que mon père est X, ma mère est tel. On passe dans la corruption totale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parfois tu fais sortir l'international. Mais après ce tableau noir, selon vous, donc il n'y a pas de bon joueur à l'équipe nationale du Cameroun parce que après le tableau qui a été peint en noir par Moussa ici, on venait en rajouter une couche. Vous voulez nous faire croire que l'équipe nationale actuellement n'a pas fait de véritables maçons qui n'ont pas été formés à la base, comme Zambouangui, ça c'est du gros n'importe quoi. En gros, on en a du gros n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, là, il y a pas de... Il y a des exceptions, comme des génies comme les Zambo, les Aboka Vincent qui sortent du lot. Oui. Mais quand vous voyez l'équipe nationale, du Cameroun que nous connaissons depuis 2000, depuis 1990, à Coupe du Monde de Roger Mila et de Omambi qui ont gagné l'Argentine, et vous voyez le Cameroun qui est venu gagner 2 CAN en 2000 et en 2002 avec comme capitaine, Rigobert Sonk, le Wemelen, Samuel Wemelen et Patrick Mboma. Samuel Eto'o, la légende, là, c'est pas la même chose. Là, il y a un problème. Mais on reviendra sur une autre émission pour faire un état des lieux du football camerounais. C'est une autre affaire. Mais parlons de cette équipe Elvis et Souma. Intéressons-nous un temps soit peu sur notamment ces barrages. On rappelle le contexte. Le Cameroun est qualifié pour les barrages. En Afrique, on a besoin de 5 représentants pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2022 au Qatar. 10 équipes pour leur qualification. Je propose à la réalisation d'ailleurs de nous mettre ces 10 équipes en images. On voit donc que le Cameroun est pour leur loger dans le pot. On rappelle que comment faire pour classer les équipes d'un pot à un autre. Peut-être on va retirer le CNT pour avoir la totalité de ces équipes en images. On rappelle que pour faire partie d'un pot, on prend selon le dernier classement FIFA. Les 5 meilleures équipes au ranking FIFA font partie du pot 1 et les équipes du chapeau 2 sont les 5 autres qualifiées. Elvis, essayons de regarder selon vous les meilleurs adversaires, le meilleur tirage possible. Je sais que vous avez fait un travail statistique, un très beau travail, vous nous direz pourquoi, et en vous appuyant certainement sur les dernières confrontations entre le Cameroun et les différents adversaires. Oui, je commencerai en disant qu'il n'y a pas d'adversaire, de meilleur adversaire pour le Cameroun. Oui. Parce que le Cameroun, déjà, je crois que tout le monde ici sur le plateau a déjà eu à avoir des matchs contre le Cameroun, contre tous ces adversaires-là. Donc, on va juste s'en tenir aux statistiques. Mais déjà, c'est pas si alarmant que ça. Le Cameroun pourrait jouer contre tous ses adversaires. Nous commençons donc avec le Sénégal. Oui. Le Sénégal, déjà, on dira que le Sénégal... Mais déjà, pour la petite histoire, le temps pour Elvis le temps pour Elvis d'être en phase avec ses notes. Je vous rappelle que lors d'une sortie très récente de Michael Ngadeu, c'était chez nos confrères de Canal+, il aura affirmé que le Sénégal, les Lions de Dakaranga, c'est l'équipe la plus prenable, d'après lui, puisque lui, il a joué face au Sénégal, et jamais depuis qu'il est international camerounais, ils ont perdu face au Sénégal. Ça ne sert à rien de se voiler les yeux par des joueurs comme Sadio Mané, Mendy, Kalidou Koulibaly ou encore Sarr. Il dit que le Cameroun a toujours battu le Sénégal et que face au Sénégal, pour lui, ça sera le meilleur. Moi, j'approuve. Allons d'abord avec Elvis et Souma. Continuez, je vous en prie. Moi, j'approuve. Oui, l'histoire du football entre le Cameroun et le Sénégal commence donc en 1963 à Dakar. Le Sénégal et le Cameroun avaient fait 1-0, c'est en faveur du Sénégal. Et nous avons aussi l'autre résultat du 28 janvier 1969 à Dakar toujours. Sénégal-Cameroun, ça s'est terminé sur le score de 3-2 en faveur du Cameroun. Le 4 mars 1971 à Yaoundé, c'était soldé sur le score de 0 partout. C'était un match amical. Bon, de façon générale, Elvis, en termes de victoire, quelle est l'équipe entre le Cameroun et le Sénégal, les équipes qui sont là le plus imposées? Si on fait un dernier ranking en termes de l'historique des rencontres, Cameroun-Sénégal, quels sont les lions les plus forts? Ah, ce sont les lions indomptables. Les lions indomptables, après. Oui. Je vous avais demandé, vous vouliez dire quelque chose? Alors, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, le meilleur tirage possible pour le Cameroun, et je suis d'accord avec la déclaration de Michael Ngadeu. Maintenant, c'est d'autant plus difficile de savoir qu'on va rencontrer l'équipe supposée la plus forte sur le papier au moment où on va l'affronter, parce que justement en ce moment le Sénégal est en pleine confiance, même si on a de la réussite face au Sénégal, mais en ce moment le Sénégal est quand même en confiance. Et il y a quelques années le Sénégal n'avait pas un gardien du niveau d'Edouard Mendy, qui est pratiquement infranchissable aujourd'hui. C'est l'un des portiers, si ce n'est le meilleur portier au monde en ce moment. Il est quasiment infranchissable, et donc c'est difficile de dire qu'on va affronter une équipe comme celle-là, qui à chaque ligne a des joueurs de très haut niveau et des joueurs de classe mondiale. C'est vraiment très difficile d'affronter une équipe comme celle-là, même si au niveau de la stat on a de la réussite face à cette équipe. Rapidement, puisque moi, sans vouloir vous couper, je dis restons avec vous, puisque vous semblez dire que l'équipe du Sénégal est assez éblouissante, ça je vous le conseille. Non, pas éblouissante. Non, je veux dire pas sur, dans le contenu. Je veux dire sur le plan des individualité. Voilà. Ça me fait, ça veut dire, on a vu notamment dans les buts, Mendy, l'un des meilleurs d'Europe, Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples, l'un des meilleurs, Sadio Mané au milieu de terrain, l'un des meilleurs, on a les Keita Baldé. Bref, c'est une constellation de stars, nous sommes d'accord. Mais la question que je vous pose, au regard des 4 autres équipes, quelle est l'équipe qui présente le moins de difficultés pour le Cameroun? Alors, je suis en train de dire que pour moi aujourd'hui, l'équipe qui sied bien au Cameroun, pour moi, serait la Tunisie. Carrément. Pourquoi la Tunisie? Parce que la Tunisie aujourd'hui compte quoi? On va pas revenir sur les individualités parce que l'équipe c'est un groupe. J'ai vu la Tunisie jouer, je crois elle est classée 2e ranking en Afrique. Oui. Mais maintenant elle a fait quasiment un clean sheet durant sa qualif. Voilà, maintenant à chaque confrontation. Je dis une clean sheet, ça veut dire qu'ils sont quasiment... Ils ont quasiment remporté tout le match. Alors maintenant, qualif face à la Tunisie, c'est l'équipe qui nous réussit la plus à chaque fois qu'on doit se qualifier pour un mondial. C'est pas parce qu'on les a battus 4-1 à l'époque que vous avez craché sur cette équipe. Je sais bien que vous revenez sur le 4-1 en 2014 avec le but de Moukandjo, le but de... Justement, c'est l'équipe qui nous réussit la plus à chaque fois qu'on doit se qualifier pour un mondial. Et la dernière confrontation, on a vu par quel score ça s'est soldé. Donc aujourd'hui, il m'était donné de choisir quelle équipe le Cameroun devrait affronter, je choisirais carrément la Tunisie. Et non pas pour dire qu'on ne peut pas gagner le Sénégal, qu'on ne peut pas gagner le Nigeria, non pas pour dire qu'on ne peut pas gagner le Nigeria, mais que ce soit l'Algérie, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Sénégal ou le Maroc aujourd'hui, c'est les équipes quasiment aujourd'hui qui sont à un très bon niveau et qui ont des joueurs vraiment de très haut niveau et des joueurs de classe mondiale. Georges, je vais revenir vers vous, je reviens vers le coach. Coach, vous avez suivi les analyses tout à l'heure. Moi, je les apprécie beaucoup. Mais parlons notamment de ses adversaires. Je vais revenir sur la question. Selon vous, quel sera l'adversaire quel est le meilleur choix, le tirage le moins dangereux pour le Cameroun? Et deuxième question là, peut-être, je ne l'ai pas évoqué avec Eric. N'oublions pas que l'équipe du pot 1 a tout de même l'avantage d'accueillir au match retour. Imaginez le Cameroun, par exemple, jouant en match retour au Maghreb. Vous savez que c'est pas vraiment souhaitable pour les équipes d'Afrique noire d'aller chercher leur qualification au Maghreb. On se rappelle qu'en 2000, pour se qualifier en 2014, le Cameroun avait battu la Tunisie à Yaoundé. Cette fois-là, il faudra aller chercher la qualification en Alger ou à Tunis, ou encore, pourquoi pas, parlons notamment du Maroc. Tout dépendra du résultat à la Ligue. Est-ce que c'est évident, notamment, d'aller se qualifier en terrain ennemi? Vous qui êtes entraîneur, vous avez déjà eu certainement ce type de rencontre. Dans cette poule, surtout les 5 autres clubs en face, moi, il y a 2 équipes qui me font peur. Oui. Il y a le Nigeria, il y a le Maroc. Expliquez-vous, Nigeria-Maroc. Il y a le Nigeria et le Maroc. Parce que le Nigeria, sincèrement, ils ont au moins 25 à 30 gars qui jouent au haut niveau dans pratiquement presque tous les grands championnats en Europe. Et ils ont pris... Mais quand même, pour un peu mettre de l'eau, on va dire qu'Osimhen s'est blessé, hein, donc il risque de perdre là. Bon, c'est la petite blague. Et le Nigeria... Et le Nigeria... Pas une bonne nouvelle pour les gens. Et le Nigeria, on se connaît et parfois ça devient difficile. Mais les deux dernières confrontations quand même, victoire camerounaise et match nul. Oui, on se connaît. Et le Maroc, pour le moment, le Maroc, c'est une équipe vraiment... C'est une équipe qui... En fait... Quand le Maroc est dans une phase, est dans une bonne phase, vous ne savez pas. Quand il est dans une mauvaise phase, vous ne savez pas. C'est une équipe qu'on ne voit pas, mais à la fin, il finit toujours par arriver. Mais pour les éliminatoires Coupe du Monde, sincèrement, le Cameroun, à part ces deux équipes, le reste là, moi, que ce soit l'Algérie, qui aujourd'hui l'Algérie est meilleure nation africaine, elle a 34 matchs. 33 matchs sans défaite. Ça, on aime ça. Nous, on aime ça. C'est que nous, on aime ça. On aime quand vous arrivez, nous croisez, on dit ça, vous êtes les meilleurs. La Côte d'Ivoire, c'était quoi? Vous avez Haller. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a Kessié. Ils disent avec Kessié. Vous avez Haller, Kessié et tout. Mais ils ne savaient pas quoi. Aurier, tout ce qui va avec. Max Gradel, Cornet. Mais ça, c'était un gros échec pour la Côte d'Ivoire. C'est carrément loupé. On s'en tape s'ils ont loupé, mais nous, ce qui les a fait louper, c'est les lions indomptables. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose que beaucoup n'ont pas en Afrique. Voilà. À part l'Égypte, c'est le mental. Le mental. Ça, vraiment, c'est cet héritage que tous nos aînés dans ce métier ont transmis aux autres. Le mental. Et ça, la majorité des équipes, la Côte d'Ivoire vient perdre au Cameroun ici à cause de quoi? En 30 minutes, elle vient de paniquer. Elle panique. Et après avoir encaissé, elle s'est dit, mais on n'a plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Elle se lance. Elle se lance maintenant. Elle se fait trop. Elle se fait trop tard. Donc, le Cameroun, tous ces adversaires, vraiment, pour moi, pas le Nigeria là, et le Maroc, le reste, c'est... Des équipes très prédables. Moi, je vais aller avec Georges, certainement. Georges, on vient de suivre Monsieur Aïssi, le technicien qui nous fait savoir qu'au regard du passif footballistique du Maroc et du Nigeria, ce sont des morceaux durs à croquer pour le Cameroun. Des équipes qui connaissent bien les lions indomptables et qui ont souvent été difficiles à manœuvrer. Pour lui, hormis ces équipes, les restes sont prédables. Mais j'ai l'impression tout de même, que ce soit Elvis Souma, que ce soit Monsieur Eric Boulon, Monsieur Aïssi, vous semblez négliger le champion d'Afrique, quasiment invaincu depuis plusieurs mois, je veux dire plusieurs années. Une équipe quand même avec des joueurs comme Islam Slimani, avec des joueurs comme Riyad Mahrez. Je crois que peut-être on aura le score du match Manchester City Paris Saint-Germain tout à l'heure. Je vais dire Riyad Mahrez fait partie de ce qui se fait de mieux dans le football mondial. Mais lorsque vous parlez de l'Algérie, selon vous, rien à craindre. Est-ce que vous partagez sur ce point de vue que l'Algérie sera un bon tirage pour les Lions de long terme? Non, moi je... En parlant de l'Algérie, l'Algérie ne me fait pas peur. Pourquoi? Parce que nous avons toujours tapé l'Algérie. J'ai l'impression que vous regardez trop le passif. Vous êtes un peu trop nostalgique. On dit le passé. Je reprends un exemple. En 90, le Cameroun a battu l'Argentine. Ça veut dire si on dit Cameroun-Argentine, vous allez battre Lionel Messi pour se le tableau. Non, on va tout le taper. On a tous les gagné. Sur le tableau, Agagé nous a gagné. Il n'a jamais gagné. On a toujours gagné. Le football, ce n'est que le passé. Que ce soit Real Madrid qui joue à Manchester City et que Mukanjo, par exemple, qui joue à Nantes, on va toujours les gagner. Pourquoi? Parce que nous avons une qualité, le mental, la hargne, l'envie. Nous n'avons pas la même envie, nous n'avons pas la même foi. Les adversaires n'évoluent pas. Quand votre Hemley, entre guillemets, votre Ginta évolue, les adversaires, eux, viendront toujours avec en victime résignée face au Cameroun. Non, vous savez qu'au Cameroun, et nous avons eu les plus grands joueurs en Afrique, oui. Des légendes, les plus grandes légendes en Afrique sont des Camerounais. Quand vous voyez Roger Mila, Samuel Eto'o, sont des légendes. Patrick Mboma, Thomas Nkono, Justin Antoine Bell, sont des légendes. Mais là, on ne classe pas en Algérien. Parmi les légendes. Parmi les légendes du football. Pétain de classe par l'Algérie parmi les légendes. Donc là, ils ne font pas peur. Selon vous, là, nous avons le mental. Puisque ce que vous semblez négliger, c'est que aujourd'hui, l'Algérie, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est 33 matchs sans défaite depuis quelques années. Non, mais... Non, non, attendez. Non, mais joue des grands matchs amicaux. Attendez, attendez. Des matchs amicaux avec attendez. Il n'y a pas le petit match pour les Lions. Et même la qualification pour la Coupe du Monde, je dis, le Sao Tomé, par exemple, le Sao Tomé, Kenil, qui vient jouer contre le Cameroun, c'est une finale. Le Nigeria vient jouer contre le Cameroun. Même un match amical, c'est une finale. Donc, pourquoi la Nigeria ne joue pas la finale, on lève le pied? Non, nous savons, non pas qu'on lève le pied. Quel qu'en soit le pays que nous allons rencontrer, au barrage, nous allons passer. Ben, c'est son point de vue. Rapidement, peut-être, on va, je vais vous donner un dernier mot. Oui, monsieur Eric Boulon, on va peut-être terminer. Donnons peut-être le temps d'abord à Elvis Souma. Essayez un peu de nous présenter une analyse statistique. Selon vous, Elvis, en vous appuyant sur les dernières rencontres rapidement, l'adversaire idéal pour les Lions. On veut avoir un nom qui ressort, parce que là, on tâtonne un peu. Vous nous faites votre étude, vous nous donnez un nom. Puis je donne la parole à monsieur Boulon pour nous dire un mot aussi sur ces choses. On y va très rapidement, Elvis. Ok, nous allons donc très rapidement. Du côté, bon, là, on prend la Tunisie. En 13 matchs, contre le Cameroun, nous avons 7 victoires pour le Cameroun et une seule victoire pour la Tunisie, donc 5 matchs nuls. Nous allons, du côté... Donc, largement en faveur, donc je crois qu'il a totalement raison sur son analyse. Le Maroc, 10 matchs, 5 victoires pour le Cameroun, 2 victoires pour le Maroc et 3 matchs nuls. Oui, oui. Aussi en avant, le Nigeria qui est un très costaud adversaire pour le Cameroun. Nous avons en 17 matchs, 8 victoires pour le Nigeria, 4 victoires pour le Cameroun et 5 matchs nuls. Oui. Et maintenant, là, vous un peu le Nigeria, je vous en prie. 17 matchs, 8 17 victoires, matchs. 4 Cameroun. Puis... Enfin, le Nigeria, c'est un morceau très dur à croquer. Et l'Algérie, 8 matchs. Nous avons donc 3 victoires pour le Cameroun, une seule victoire pour l'Algérie et 4 matchs nuls. Donc, alors, mais seulement ce qu'il faut rappeler dans les stats d'Elvis tout à l'heure, c'est que les récentes confrontations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, pardon, Maroc-Cameroun, Algérie-Cameroun, sont à l'avantage des pays maghrébins. Donc, on a plus de victoires. Les statistiques remontent vraiment à des années-lumière. On a plus de victoires. On est d'accord. Mais seulement, on est d'accord qu'on a plus de victoires sur le Maroc et l'Algérie. Mais seulement les dernières victoires, les dernières confrontations sont à l'avantage du Maroc et de l'Algérie par rapport face au Cameroun. Par contre, la Tunisie, on les a toujours. On a toujours la Tunisie. Pour terminer, chacun va choisir son adversaire. Les bandes sont enregistrées. Je pense que si on tire la Tunisie, je pense qu'on pourra se qualifier pour le mondial. Je vais aller sur le Sahel ici avant de revenir vers vous. Je vous connais. Oui, parce qu'il y a l'Égypte. Hein. Non, non, justement, l'Égypte est dans le pot. Ah ouais, dans le pot. Oui, je vous dis, allez, moi l'Algérie. Tunisie, Algérie pour monsieur. Waouh, j'apprécie votre choix à vous. L'Algérie, Elvis. Tunisie. Tunisie. Donc, personne ne choisit le Sénégal. Ah, ben non, il ne faut pas penser que parce qu'on a l'habitude de passer face au Sénégal, qu'à chaque fois ça va passer. Parce que le Sénégal également aujourd'hui veut aller au mondial parce que le Sénégal regorge de joueurs vraiment talentueux, des joueurs de classe mondiale et qui ne veut pas se louper d'aller au mondial avec ce genre de joueurs-là. Ce sera une catastrophe. Ils ne comptent pas faire de la figuration en Coupe du Monde. Voilà, ils rêvent d'aller jusqu'en demi-finale. Voilà, jusqu'en demi-finale. Donc, ce sera vraiment pas logique pour nous de souhaiter rencontrer le Sénégal aujourd'hui, même si on peut sur le terrain les éliminer, mais vraiment, ce sera pas souhaitable pour le Cameroun. Et oui, mesdames et messieurs, vous pouvez continuer le débat sur les réseaux sociaux, participer via notamment je vous l'ai dit, la page Facebook B News One. On prendra vos suggestions, vos réactions tout à l'heure sur le programme. Mais pour l'heure, on va prendre une légère pause publicité, juste quelques secondes, le temps pour nous de prendre une gorgée. Et lorsqu'on reviendra, ça sera question de parler de la Fédération camerounaise de football, de ces élections, avec ces 8 candidatures qui se profilent pour la succession de Seidou Mbombo Njoya. Très beau travail de la réalisation, vous savez, nous sommes à la soirée de Ligue des Champions et priorité au direct, on prend d'abord les résultats des matchs pour l'heure puisque c'est quasiment la mi-temps partout, on reviendra tout à l'heure sur notre thématique. Avant de jour, je vais peut-être décalé le temps de permettre à, merci à cette réalisation de nous montrer notamment ces affiches. Vous pouvez voir rapidement les différents scores sportifs pour le moment. Même le Borussia Dortmund 2-0, Manchester City, Paris Saint-Germain, on va dire le choc des étoiles, le score est de 0 but partout. Atletico Madrid Milan à 7-0 partout. Il faut rappeler que le club de Zlatan Ibrahimovic joue gros dans cette rencontre pour s'assurer notamment en Coupe européenne. Pour le moment, un seul point pris par les Milanais. Liverpool déjà qualifié joue face à Porto qui court derrière une qualification puisque les deux ce sont les équipes du même groupe. Et pour l'heure, on voit notamment ce gros score des Allemands face au club bleu, le RB Leipzig 4-0 sur le terrain belge. Et pour l'heure, le Real de Madrid se comporte bien face à cette modeste équipe de Tiraspol qui avait bien commencé cette campagne européenne. 2 victoires de rang, notamment au match aller. Cette équipe est à le battre les Merengues du côté notamment de Santiago Bernabéu. Pour l'heure, ce sont les scores, on reviendra tout à l'heure. Merci à ce magnifique travail de notre réalisation. Restons toujours dans cette édition, on va parler cette fois-ci de la Fédération Camerounaise de Football. On en parle, on s'intéresse à la FECAFOOT, aux élections, il faut, je le disais tout à l'heure, du 15 au 18 novembre dernier, c'était jour de dépôt des candidatures. On a vu plusieurs candidatures, plusieurs candidats faire le tour du côté de la tour de Tinga. Certaines de façon assez clandestine et d'autres, c'était vraiment très pourri. D'ailleurs, je vous propose un reportage qui revient sur le dépôt de candidature qui a laissé personne sans voix. Un dépôt de candidature I6L, on se serait cru à la signature de contrat de Lionel Messi du côté de Paris Saint-Germain. Oh que non, c'est un dépôt de candidature suivant l'ordre. Samuel Eto'o, qui a déposé sa candidature, c'était notamment le 17 novembre dernier. Ils sont venus très tôt, aux premières heures de la matinée, prendre place au siège de la Fédération Camerounaise de Football à Tinga. Sur les réseaux sociaux, la rumeur annonçait l'arrivée de l'ancien capitaine des Lions Indomptables à 10h. Mais c'est finalement à 15h pratiquement que le candidat Samuel, au volant de sa voiture, arrive à la FECAFOOT. Malgré la longue attente, ils sont près de 2500 devant les grilles de l'immeuble siège de la Fédération Camerounaise de Football. Devant cette foule en liesse, il a fallu près d'une vingtaine de minutes pour se frayer un chemin et accéder à l'enceinte de l'instance fêtière du football camerounais. Finalement, Samuel Eto'o, au rythme des cris et un public fou qui scande son nom, rentre à la Fédération Camerounaise de Football. Il passera près d'une vingtaine de minutes hors caméra au bureau courrier de la FECAFOOT. À sa sortie, la foule est encore surexcitée. Samuel Eto'o, accompagné par son directeur de campagne, Jean-Bruno Tanier, et son porte-parole, Ernest Obama, s'autorise une réaction, non sans remettre sur la table le bilan catastrophique de l'actuel président. Quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes. Il est impossible. Quand on échoue, on redouble. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération. Malgré toutes les tricheries, dites-moi, jusqu'à présent, il y a un seul candidat qui vous a présenté son projet. Ça veut dire que le camp en face n'a pas de vision, n'a pas de projet. On le disait incapable de réunir les parrainages, Samuel Eto'o vient de prouver le contraire avec un dossier en béton déposé ce mercredi à la Fédération Camerounaise de Football. Porté en triomphe par le peuple qui attend un changement à la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o est reparti de la FECAFOOT, difficilement notamment de ses nombreux fans qui voulaient communier avec celui que plusieurs présentent comme le sauveur du football camerounais. Élection à la Fédération Camerounaise de Football, on reviendra sur les autres candidatures. Mais messieurs, je voudrais d'abord qu'on réagisse sur le dépôt de candidature de Samuel Eto'o. Je vais commencer par vous, monsieur Aïssi, vous êtes à mes côtés. Eto'o, candidat, dépôt de façon Star Wars, Star ici. Est-ce qu'on se serait attendu à une influence pareille? C'est du Samuel Eto'o. C'est du Samuel Eto'o, partout il passe. Il traîne des foules par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à... Il fait arriver en fait. Il fait arriver. Moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec Eto'o. Parce que le timing. Vous savez, la fédération est traînée au TAS, à la CCA, les décisions de justice en un point fini. Et moi, j'aurais cru qu'il pourrait attendre attendre que toutes ces procédures soient vraiment épongées en fait. Parce que le timing, l'association des clubs amateurs, au-dessus de sa tête, Abdourahmane Baba, il y a des procédures au TAS qui sont en train d'arriver. Il y a même des procédures qui sont arrivées qui n'ont pas été exécutées. Comment vous faites dans un pays pareil où on n'arrive plus à respecter les décisions de justice? Comment on fait et on avance? Comment on fait et on organise? Moi, pour moi, Eto'o, si j'aurais à lui dire que Magnan, c'est pas le timing, c'est pas le bon timing. Mais la question que moi je vous pose, est-ce qu'il devait croiser les bras tant que cela puisse se résoudre par la providence? Reconnaissons que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Il a bien dit lors d'une communication, depuis qu'il est footballeur, il a connu ces problèmes. Peut-être il a attendu, comme vous êtes en train de le dire, que ces problèmes soient réglés. Et là, on pense que c'est lui le sauveur pour venir les régler. Pourquoi? Dans ce système, c'est difficile. Vous savez, le système, tant que ce système est là, il va vous broyer. Moi, le temps nous dira, si lui vient, on le met président de la fédération. Je ne sais pas ce qui va changer. Parce que si nous avons plongé, c'est nous tous. Même nous, ce public, même ce public qui regarde à distance, nous tous, nous avons plongé. Et là, pour ressortir de là, c'est le système. Ce système est fait en sorte que c'est comme ça. Bombo qui est assis là, c'est pas Bombo qui veut. Parce que Bombo, un Bombo qui veut, il démissionnerait depuis. Avec tout ce qu'il a comme tir. C'est vous qui le dites. Moi, moi, Mbombo, je démissionnerai. Vous ne pouvez pas avoir autant de procédures contre vous. Mais vous êtes là. Ça veut dire que le Cameroun, c'est l'anarchie totale ou quoi? Parce qu'il y a un camp qui vous dit, bon, on n'applique pas ici. Les décisions viennent des magistrats désignés par le chef de l'État. On vous dit, vous n'appliquez pas, vous mettez ça à la poubelle, vous jetez, vous avancez. Et vous dites, vous organisez des élections. Quelle élection? Donc, selon vous, les dés sont pipés d'avant. Les dés sont pipés. Je ne sais pas, parce que Eto'o, vous n'avez pas fini le reportage, le dernier reportage, je suivais, il a dit, et lui-même reconnaît que c'est bipé. Et il a dit, si il n'est pas président, tout le Cameroun, il viendra les déloger à la Fédé. Il viendra les déloger de quelle manière? Dites-moi un peu. Puisqu'il a dit, parce que moi c'est resté un peu, je me dis, mais tiens, Eto'o dit, s'il n'est pas, parce qu'il connaît ce qu'il se passe, il a écrit à la FIFA, il a décrié tout ce qui se passe. Mais comment tu le sais, mec, et tu vas encore entrer dans... C'est un panier-là, comment tu le sais? Et maintenant il dit, si il ne gagne pas. Attends, la communication, on ne sort pas des mots comme ça pour sortir. Si il ne gagne pas. Si au soir. Si au soir. Si au soir. Et qui se retrouve, qui a tricherie. Attends, si au soir et qui se retrouve, parce qu'il a dit que s'il y a tricherie et tout ça. Mais comment saura qu'il n'y a pas tricherie? Si Mbombo gagne, après, il va dire qu'il y a tricherie. Ça, c'est peut-être un autre débat, on reviendra à lui rapidement, Georges. Restons toujours sur la candidature de Samuel Eto'o, ancien footballeur de rang. On ne va pas dresser son palmarès plus long comme bras. Samuel Eto'o, 4 fois ballon d'or africain, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, recordman des buts avec le maillot des Lions Indomptables, meilleur buteur de tous les temps des Coupes d'Afrique et des Nations. Samuel Eto'o, ambassadeur itinérant, docteur honoris causa. Il faut dire que c'est quelqu'un plus qu'une icône, une légende vivante. Est-ce que vous partagez aussi le point de vue de M. Aïssi que Samuel Eto'o aurait pu attendre, que c'était pas encore le bon moment? M. Franck, mon opinion est différente. Parce que... un peu plus fort, je vous en prie. Je dis mon opinion est différente parce que moi je vois autrement. Samuel Eto'o, pour le moment au Cameroun, c'est l'homme idéal. Oui. C'est l'homme de la situation. Non, on met sa légende. Il a beaucoup œuvré pour le Cameroun, que ce soit à l'extérieur, que ce soit au Cameroun. Oui. Et selon ses ambitions, il amène une nouvelle idéologie. Mais tout ce que nous allons dire à M. Eto'o, c'est qu'il n'amène pas ses rancunes. Parce que nous les Camerounais, nous ne voulons pas des rancunes. Ça veut dire des rancunes, qu'il soit rassembleur, qu'il fasse ce qui est différent, qu'il ne fasse pas ce qu'on n'attend pas de lui. Qu'il puisse faire ce qu'il a déclaré. Ce que les Camerounais... Vous savez, parmi ces points, il a parlé de réunir les footballeurs. Non, évidemment, de tout ça qu'il a dit. Quelle fondation. Oui, voilà, c'est ce qu'on attend de lui. De tout ça, l'union, changer, que le football camerounais soit vraiment professionnel, qu'il amène à un niveau que lui il a joué. Hein, c'est un niveau comme la Tunisie, comme à peu près comme on voit le championnat sud-africain. Tunisiens, Algériens, vous voyez, mais qui n'amènent pas les rancunes au sein de la Fédération camerounaise de football. Et puis parce tout à l'heure, j'ai eu, parce que qu'ils ne se disent pas que parce que j'ai eu une convention avec X ou Y, que je dois venir avec telle chose. Non. Puis Elvis, tout à l'heure, vous prendra, mais avant de vous prendre Elvis, vous allez me faire l'amour et le plaisir de vous présenter les autres candidatures, notamment les autres candidats. Mais je propose qu'on reste toujours avec le candidat Samuel Eto'o. Fils Eric, vous aurez aussi la parole. Puisque là, on va parler de programme. Vous savez, c'est quand même l'un des candidats qui communique le plus. Il y a aussi Jules Déniou qui est très présent sur la toile. Samuel Eto'o, fils présent sur la toile. Pendant aussi ma banque et ça, mais c'est l'omerta totale avec le président sortant. Pas de grosse communication. On va s'intéresser à celui qui nous donne de la matière, celui qui communique, Samuel Eto'o. Il faut dire qu'il a présenté très récemment son programme au patronat, aux hommes d'affaires, les créateurs de valeur et de moyens. Il est venu leur présenter son projet pour qu'ils puissent soutenir le football si lui, Samuel Eto'o, est donc élu. Je vous propose de suivre ce reportage, le projet de Samuel Eto'o, fils aux entreprises camerounaises. Dans sa volonté de redonner sa grandeur au football camerounais, Samuel Eto'o fils n'a pas fait les choses à moitié. Le meilleur buteur de l'histoire des Coupes d'Afrique des Nations a mis sur pied un grand et éloquent programme de campagne, lequel a été présenté ce 18 novembre au public à travers la CRTV, Canal 2 International, B News One et d'autres médias camerounais. L'ancien goléador des Lions Indomptables a vendu son offre au patronat camerounais, créateur de valeur, pendant plus d'une demi-heure. Revenant sur son enfance difficile entre Mvogada à Yaoundé et Nioubel à Douala, Eto'o raconte qu'il a dû batailler dur pour s'inspirer de Roger Mila pour devenir la légende du football qu'il a été. Je suis né pas très loin de Mvogada. J'ai grandi à Nioubel. Pour ceux qui connaissent un peu Yaoundé et Douala, voisin immédiat des deux prisons. Dieu m'a abondamment béni par un talent, celui de savoir jouer au foot. Mais j'avais besoin d'une lumière, celle venue de Roger Mila. Il m'a permis de rêver. Et le rêve est le début de toute réussite. Après avoir vécu de très près les problèmes du football camerounais, l'ancien buteur du FC Barcelone pense être la personne idoine pour le sortir des travers qui le minent depuis plusieurs années. Pour cela, Eto'o veut mettre l'accent sur le football jeune et faire éclore de nouveaux talents comme il a fort et bien démarré en offrant aux Lions Indomptables des joyaux comme André Onana, Christian Bassogok ou encore Fabrice Ondoa. Dans le programme d'Eto'o, le monde des médias n'est pas en reste. Le quadruple ballon d'or africain veut octroyer 30 millions chaque année pour la formation des journalistes sportifs. Révalorisation de la presse sportive. Parce que le football doit beaucoup aux journalistes sportifs, nous devons les doter d'outils théoriques et pratiques pour mieux informer le public. Mettre en place un fonds annuel de 30 millions pour la formation des journalistes et sportifs. Notons que le docteur honoris causa Samuel Eto'o a déposé son dossier de candidature mardi le 16 novembre pour la présidence de la Fédération camerounaise de football. L'élection, quant à elle, aura lieu le 11 décembre prochain. Eric Boulon, Samuel Eto'o fils au chevet du football, mais il a quand même fait un clin d'œil à votre profession. Vous serez formé à hauteur de 30 millions par an. Je crois que là, il a convaincu le journaliste sportif que vous êtes. Ah ben maintenant, c'est clair que en disant cela, toute la presse sportive camerounaise se dit... Jamais un candidat n'avait proposé. Justement, on se dit, ben voilà, enfin, quelqu'un qui a pensé à nous, quelqu'un qui pourra... faire quelque chose pour nous, et ce sera pour le grand bien du football camerounais et pour le grand bien du football africain. Maintenant, vivement qu'il soit élu et que qu'il puisse mettre son programme en pratique. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Maintenant, les autres candidats aussi ont quelque chose aussi à faire valoir, je pense. À dire sur le candidat Eto'o, parlons du potentiel. Est-ce que Eto'o serait vraiment la meilleure personne, la bonne personne à la bonne place? Est-ce que Eto'o est taillé actuellement pour être le président de la Fédération camerounaise? Alors maintenant, est-ce que c'est le meilleur choix Je peux pas dire. On regarde des 8 candidatures. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Je pense que Samuel Eto'o peut apporter quelque chose au football camerounais. Je pense que Samuel Eto'o, en tout cas, il le veut et donc il le peut. Je pense qu'il le peut certainement. Maintenant, c'est ceux qui décident, c'est ceux qui vont voter, c'est eux qui décideront de qui ils voudront avoir comme patron de la fédération camerounaise de football. Mais une chose est certaine, c'est que Samuel Eto'o a beaucoup à apporter et il en est tout à fait capable. Maintenant, est-ce que c'est par rapport aux autres, est-ce que aujourd'hui Samuel Eto'o a la place qu'il faut? Je pense que le football camerounais a beaucoup de tard en ce moment précis. Il a besoin d'être restructuré à nouveau. Le football camerounais a besoin d'être à nouveau retouché. Et donc, je pense que Samuel est à la place qu'il faut. Et seulement maintenant, le moment est choisi de restructurer ce football-là. Le moment est choisi de redonner sa grandeur au football camerounais. Et je pense que c'est le moment. Maintenant, pour le reste, comme je l'ai dit, ce sont les délégués, les 76, qui vont décider le 11 décembre prochain qui ils veulent mettre à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et donc, voilà, c'est à tout à l'heure, tout leur revient. À tout, oui, bref, c'est de faire le choix. Elvis et Souma, on ira très rapidement avec vous. Une petite présentation sommaire, je promets quand même aux téléspectateurs et internautes, on peut leur dire ceci, vous aurez la possibilité, mesdames et messieurs, dans nos prochaines éditions, de découvrir le visage de ces 8 candidats. On fera des zooms sur chaque candidature. On peut déjà dire à ces candidats que nos plateaux sont ouverts. Le plateau de B News One sont notamment disponibles pour venir faire vos campagnes, parler de vos candidatures. Elvis, avec vous rapidement, se balance un peu sur ces autres candidatures un peu méconnues de ces élections à la présidence de la FECAFOOT. Oui, outre outre Samuel Eto'o, Seidou Mbombo Njoya, Jules Déniou Nana et Emmanuel Mabouankessa, nous avons donc d'autres noms qui ressortent. On a entre autres Justin Tagou. Justin Tagou, on va aller doucement, oui, puisque la réalisation peut-être va nous suivre, oui, pour avoir son image. Justin Tagou, oui, le PDG d'Afrique. PDG d'Afrique Média et ancien président de Bamboutos de Mbouda. Justin Tagou, on le voit en image, oui, d'ailleurs. Eric Boulon, quelqu'un que vous connaissez quand même pour avoir été président de Bamboutos. Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne veux pas beaucoup m'attarder là-dessus, mais c'est quelqu'un qui parle très peu généralement, qui aime parfois être très discret et qui lui aussi, je pense, à ma foi, peut aussi apporter beaucoup de choses au football camerounais. Maintenant, est-ce que les délégués vont plébisciter le choix de ce monsieur? Maintenant, je pense que pour moi, aujourd'hui, en dehors de Samuel Eto'o, c'est aussi l'une des personnes qui peut apporter beaucoup à notre football, comme je le disais tout à l'heure. Selon vous, Seidou Mbombo Njoya ne peut pas apporter beaucoup? Bah, Seidou Mbombo Njoya, malheureusement, il a passé déjà 2-3 ans à la tête de la Fédération camerounaise de football et c'est très compliqué. D'aucuns diront que son mandat était entaché de plusieurs procédures judiciaires, donc il n'a pas eu le temps de travailler. Maintenant, s'il n'a pas eu le temps de travailler, c'est pas aussi la faute des autres, parce que quand j'ai vu le passage d'Ernest Obama dernièrement sur une chaîne concurrente qui expliquait que quand on a une vision grande, quand on veut quelque chose de grand, eh bien, il faut parfois mettre de côté ses aspirations personnelles. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là? Si moi, j'étais à la place de Seydou, si j'ai une vision grande pour le football camerounais, j'aurais pu dire à ceux qui l'ont plébiscité à cette position, j'aurais pu leur dire, moi, à sa place, ben voilà, moi, voici ce que je veux pour le football camerounais. Si on estime que mon mandat n'est pas légal, et eh bien, qu'on remette les choses à nu et qu'on arrange d'abord tout ce qu'il faut, les textes, et que tout cela soit prêt afin qu'on reprenne, afin que je me représente à nouveau à l'élection de cette instance, ce qui n'a pas été fait. Donc, je pense aujourd'hui qu'il a accepté d'être à cette position et donc toutes les procédures judiciaires, tout ce qu'il y a comme bavure au niveau de la fédération, lui incombe aujourd'hui, c'est de sa responsabilité et donc il doit normalement laisser tomber la fédération. Il doit jeter les manches. Parce que vraiment, Elvis, on va poursuivre avec la présentation. Vous avez parlé de Justin Tagou. Oui. Vous dites que c'est un patron, actuellement leader d'un groupe de médias, mais aussi quelqu'un qui maîtrise le management du football pour avoir été président de Bamboutos de Bouda, le club aux millions de supporters. Oui. Restons toujours sur le cas, la présentation de ces autres. Oui, nous passons à Jean Crépin Niamsi. Jean Crépin Niamsi. Oui, lui, il est enseignant-chercheur à l'université de Montréal. oui, entraîneur chercheur à Montréal. Oui. Il faut aussi dire qu'il est, je crois, l'actuel président de Diheb-Dinkam. Un club très connu, un club du Cameroun, qui se comporte plutôt bien. Quelqu'un qui a aussi le profil, il maîtrise, il veut moderniser, il a aussi été manager de club. Alors, lui aussi, c'est un professionnel aussi, c'est un professionnel maintenant, c'est un universitaire qui est enseignant d'université. Et donc, lui aussi, il a de la matière, il peut apporter quelque chose de plus au football camerounais. Maintenant, il ne réside pas beaucoup au Cameroun, en tout cas, il ne met pas plus de temps, plus de 12 mois, en tout cas, plus de 6 mois au Cameroun, à ma connaissance. Donc, je pense que ça va être très, très difficile de porter le choix sur ce manager, même si lui aussi, il a quelque chose d'assez conséquent, notamment sur le plan intellectuel. Mais déjà, on rappelle déjà que pour l'heure, mesdames et messieurs, peut-être il y a beaucoup de téléspectateurs et internautes qui nous suivent. On doit vous rappeler que ces candidatures ne sont pas encore validées. Ce sont des candidatures à la candidature parce qu'il faudrait déjà passer par un toilettage, une vérification par la commission électorale pour choisir les candidats dont l'élection devra avoir lieu le 11 décembre prochain. Je crois que la commission s'est assiégée aujourd'hui et je pense que ce sera demain qu'on va communiquer les noms de ceux qui ont été retenus comme candidats. Et maintenant, ceux qui n'auront pas été retenus, je pense qu'il y aura le recours, il y aura la commission, donc il y a le recours pour essayer de revoir tout cela. Mais demain, les noms de ceux qui ont été retenus seront communiqués et après leur recours auront lieu. Pour le 11, en fait, pour le 11, le rendez-vous du 11. Non, le rendez-vous c'est le 11 pour l'élection, mais maintenant les candidatures vont être validées demain. Donc on va communiquer demain les noms de ceux qui ont été retenus pour les recours, bien évidemment. Bien éventuellement. 3 jours d'après. Le 3 décembre. Elvis, c'est souvent très rapidement, on prend encore peut-être un dernier nom. Zakari Wandji. Zakari Wandja. Zakari Wandja. C'est Wandja. Lui, il a flirté avec la Ligue professionnelle de football. Oui. Et il est actuellement aussi le président du comité d'administration de Panthères sportives d'Undé. Il faut dire quelqu'un qui surfe aussi avec le football camerounais. Il faut dire que l'Ouest est quand même bien représenté. Le monde avec Seidou Mbombo Njoya, Zakari Wandja, avec notamment parlant du D, on a M. Justin Tagou. C'est pour dire que ça se porte tout de même bien. Il faut dire que la Ligue de football de l'Ouest est une ligue assez dynamique. On a vu l'élection entre le capitaine Fetcheux très récemment et Koueden qui était très agité pour dire qu'on est très content et ravi de savoir que cette ligue nous offre de 10 représentants pour la course à Tina. Alors maintenant, parmi toutes les ligues du football au Cameroun, la Ligue de l'Ouest, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, est très très bien structurée, bien évidemment. Et il y a des clubs qui sont dans cette région, vraiment, qui ont une bonne ossature. Bamboutos, la Panthère, c'est des véritables clubs de football aujourd'hui. Si le championnat camerounais... Racine, si le championnat camerounais était un tout petit peu... je veux pas dire... Vos clubs de base, pour ne pas citer, ils sont tellement... En gros, les clubs de l'Ouest, et même la plupart des clubs de Douala, aujourd'hui, sont des propriétés des ressortissants de la région de Douala, donc c'est des propriétés des ressortissants de la région de l'Ouest. Voilà, donc aujourd'hui c'est des messieurs qui vraiment sont dans la gestion du foot, sont dans le management du foot et qui peuvent contribuer à l'amélioration du football camerounais, au développement du football camerounais. Maintenant, ben voilà, comme je l'ai dit, ce sera les élections. Elvis Souma, dernière candidature, petite candidature à prendre, puisque nous avons encore quelques secondes à passer ensemble. Dernière petite, puisqu'on sait, on vous dira, ce ne sont pas toutes des candidatures. Mabouan Kessa, qu'on ne va pas vous le présenter, on le connaît. Jules Déniou, on le connaît. Seidou Mbombo Njoya, on le connaît. Samuel Eto'o, je vous ai dit qu'on fera un zoom avec les porte-parole de ces candidatures. Mais on a voulu parler de ces noms pas trop connus dans le football et notamment du grand public camerounais. Un dernier nom, Elvis. Oui, je vous laisse le soin de présenter Manuel Boyomo. Monsieur Manuel Boyomo, c'est un consultant sportif, quelqu'un qui s'y connaît, il est expert aussi des questions de management et de communication et de marketing. Il faut dire qu'il a passé une grosse période de sa vie hors du Cameroun et du retour au Cameroun, il a travaillé dans la professionnalisation, notamment il a accompagné leurs organisations sportives. On parle de Manuel Boyomo, il a accompagné les organisations sportives dans leur professionnalisation. Il a même accompagné aussi certaines agences de marketing dans la spécialisation notamment du management sportif. Il n'est pas très connu quand même de par les footeux, mais il a souvent intervenu dans certains médias. On ne va pas se cacher, je parle de lui avec autant d'emphase, puisqu'à un moment donné il a été notre collègue, on ne va pas se cacher. Actuellement, il veut bien sûr être le futur président de la FECAFOOT. On va dire que c'est ouvert, messieurs. Très rapidement, dernier tour de table. C'est vrai que le temps est parti pour cette émission, ça file rapidement, on touche déjà à sa fin. Pour un dernier mot, vous pouvez parler de n'importe quel sujet, les trois sujets, vous pouvez parler de la FECAFOOT selon vous. Qui sera élu le 11, ou alors les Lions indomptables? Que pensez-vous? Est-ce que le Cameroun sera qualifié pour le mondial, ou même le stade de Limbé? Est-ce que le Cameroun sera prêt le jour du jeu? Je commence par monsieur Georges Foy, intermédiaire de joueur. Monsieur Georges, un dernier mot. Moi, je ne vais pas donner un résultat parce que j'ai la foi que nous allons nous qualifier, peu importe l'équipe que nous allons rencontrer. Le Cameron sera qualifié pour la Coupe du Monde. Merci à vous. Merci d'avoir pris part à cette émission. Merci M. Franck. Garçon, on va passer juste à vos côtés. On va poser la question à M. Aïssi, entraîneur, à qui on dit merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot. Moi, c'est la danse qui se passe à la fédération. Ça me fait juste rigoler, c'est tout. Selon vous, avant d'entendre s'attendre le 11. Le 11, ce qui viendra. Mais le problème, c'est pas le 11. Le problème, c'est après. Oui, après, ça nous retombe toujours à la figure. On se met à dépenser encore des centaines de millions de francs pour essayer d'arranger des procédures qui nous retombent après. Moi, c'est tout. On avance, mais on sait qu'on va se casser la figure. On avance, on sait qu'on va se casser la figure. Est-ce que c'est le même pessimisme qui est partagé par M. Eric Boulon? Monsieur Eric Boulon, est-ce que selon vous, la FECAFOOT, c'est un panier à crabe? Est-ce que les Lions indomptables seront qualifiés? Est-ce qu'on les blessera après? Alors, par rapport à l'élection à la présidente de la Fédération camerounaise de football, je pense que si Samuel Eto'o est le président, il y aura moins de problèmes. Mais si ça n'est pas le cas, on risque... Il viendra déloger le... Non, non, pas pour déloger. Non, 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 pas pour déloger. Je pense que si Samuel Eto'o est élu, en tout cas, il a promis de rassembler les juristes, les hommes de droit pour essayer de voir, de voir un peu ce qui ne va pas et d'arranger avant de continuer. Je pense que s'il est élu, je pense que ça pourra se faire. Mais sinon, on va retomber de travers. Maintenant, moi, je voudrais m'attarder sur le cas de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour dire que vivement que le stade au Limbé soit prêt dans 6 jours pour qu'on n'ait pas de problème, pour que le Camerounais n'ait pas à... Quel chauvinisme! On va terminer avec Elvis Souma. Je voudrais dire à tous les Camerounais de ne pas entrer dans la désinformation, de ne pas prendre toutes les informations qui viennent de l'extérieur à cœur. Et les réseaux sociaux surtout. Parce que les réseaux sociaux sont très dangereux. Restons sereins, le Cameroun va organiser la CAN, le stade de Limbé sera prêt. Et même si le stade de Limbé n'est pas prêt, le Cameroun ne sera pas le premier pays à organiser une compétition de football avec des sites qui ne sont pas totalement livrés à 100%. Merci messieurs, il est de tradition ici dans le B News Football Club que lorsqu'on termine, c'est comme dans un match de football, on applaudit pour le spectacle. Merci mesdames et messieurs d'avoir fini et nous on termine avec le live grâce au magnifique travail abattu de l'autre côté par Serge Somba et aussi Élisée Yanda. On dit aussi merci à Orlam Roger, rapidement les scores pour l'heure à la 70e minute, le Sporting mène toujours le Borussia Dortmund 2 à 0, but partout contre le Milan et l'Atlético Madrid du côté du Wanda Metropolitano Stadium 3-0 pour le Real, il faut dire que les carottes sont cuites pour le Sheriff Tiraspol, un but partant contre Manchester City et le Paris Saint-Germain, 1-0 en faveur des Reds de Liverpool, de jouer Matip. C'est sur ce qu'on va se dire. Au revoir mesdames et messieurs, restez fidèles au programme de B News One, demain lorsqu'il sera 6h30, ne ratez pas la matinale de l'information à 9h, je serai toujours là pour le journal des sports, 10h BFM, 12h journal, 15h le news et 18h vice loyer et bien sûr le grand journal de 20h à ne pas manquer à 21h mot pour mot. Au revoir, merci à toute la grosse équipe technique, merci à vous amis téléspectateurs internet.